Et salut à tous et à toutes, c'est Connatre pour une nouvelle vidéo et on se retrouve cette fin de journée, hein, puisque vous l'aurez vers 16h-17h je pense, sauf si vous l'avez plus tard parce que problème. Et déjà vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette série sur Minecraft? C'est bizarre, t'es censé faire un jeu de stratégie, donc du coup la compagnie du mal, du Seigneur des Anneaux. Et bien, je comptais en fait faire une pause, parce que ça fait déjà pas mal de semaines qu'on est dessus. Je me suis créé une petite pause de, allez, on va dire, 2-3 semaines sur une petite série. Ça ferait pas de mal. J'avais pensé à des jeux, bon, genre sur Halo 1, ou quelque chose comme ça, mais après je me suis rendu compte qu'en fait ce serait beaucoup trop long en fait de faire la sur Halo 1, bon, parce que je crois qu'il y a 10 missions. Ça ferait quand même un peu plus de 2 mois dessus, donc je pense qu'on va attendre un petit peu pour le faire. Et du coup je me suis dit pourquoi pas la mini-série que je voulais faire sur Minecraft, donc là, le let's play alchimique, le seul but, c'est de créer une map, donc là vous voyez qu'il y en a d'autres parce que c'est du test, hein. Donc le seul but est de créer une map, et d'essayer d'avoir tous les potions, voilà, c'est le seul but. Après, peut-être pas toutes les déclinaisons, hein, pas la version 1, la version améliorée, la version longue, la version splash, mais voilà, une de chaque. Donc ça, je pense que ça nous durera 2-3 semaines, peut-être un mois si c'est vraiment long. Et après je prendrai la campagne du mal sur le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la terre du milieu 2. Et ensuite peut-être que je ferai la deuxième partie du Let's Play Chimique, à savoir la partie en créatif. Vous avez parlé de ça dans vidéo vlog 2, je crois. Enfin bref, vous remontez, c'est la plus récente en forme de caméra, voilà. Et là vous devez pas vous en rendre compte, ou si peut-être au son, je ne sais pas, mais je m'enregistre en différé. Pourquoi? Parce que je suis débile, voilà. Non, je rigole, mais vraiment j'ai tourné cette vidéo hier en fait. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, finalement elle dure une demi-heure. Bon, général de nouveau monde, récolte du bois, vous allez voir, bon, c'est vraiment le début le classique quoi. Mais en fait, je m'étais dit, vu que je parle pas fort, peut-être que ce serait pas mal de m'entendre en écho. Donc du coup j'ai mis entendre le périphérique, donc le micro que j'utilise. En fait ça m'a vite saoulé, du coup j'ai enlevé mon casque, mais j'ai pas désactivé l'option. Et donc en fait du coup, sur l'enregistrement on frappe. Donc là il y a des petits... C'est normal que ce soit pas fluide, hein. C'est vraiment le début, c'est la génération. Ça va aller beaucoup mieux après, ne vous inquiétez pas. Et vous avez vu normalement que, voilà, vous voyez que mes achievements en bas sont assez clairs. Bon, ça gêne, voilà, je le disais aussi. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Je vais y arriver. Donc, du coup, on m'entendait un peu en double, en écho, en fait. C'était assez désagréable. Je suis un peu déçu, parce que du coup, j'étais plutôt content du truc, et vu que je voulais pas recommencer, parce que j'avais fait un bon début. Et, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais vous commenter en différé. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, puisque il n'y a plus l'euphorie du début, il n'y a plus l'euphorie, vous avez compris. Hop, je fais une table de craft. Voilà, donc on va commencer par récolter du bois en surface, un petit peu de cailloux, pour faire les premiers outils en cailloux. Ensuite, on va aller chercher la nourriture et commencer à miner. En gros, c'est ça notre programme. Programme du jour, avoir au moins un stuff fer. Voilà. Et de la boue. C'était les deux, comment dire, prérequis, on va dire, de cet premier épisode, donc j'espère vraiment que ça ira niveau son de voix, puisque sur Audacity j'ai fait quelques petits tests et j'ai vu qu'il y avait des petits problèmes des fois, donc normalement ça devrait aller si tout va bien. Donc voilà. Et donc, en fait, comment vous dire, je voulais commencer cette série il y a déjà plusieurs semaines, mais en fait j'ai rencontré un problème, c'est que, comment dire, mon jeu est fluide évidemment, puisque j'ai un cadre parfait et tout va bien, etc. Mais il y a un gros souci. Dès que je commence à filmer, ce n'est plus fluide du tout. Et donc du coup, là par exemple, je viens d'installer Optifine, et donc c'est pour ça que c'est plutôt fluide en fait. Mais il faut savoir que Fraps bouge au moins entre 20 et 30 fps en fait, de ce que je devrais avoir. Donc en fait, au moment où j'arrête de filmer, c'est ultra plus fluide, et dès que je commence à filmer, vous voyez que c'est pas dégueulasse. Mais sans Optifine, ce serait quasiment impossible
de vraiment filmer en fait. Et dites-moi d'ailleurs si vous préférez que je commente en différé ou pas. Moi personnellement je préfère directement en fait en live pour pas vous le cacher. Hein. Et donc là je disais voilà, j'ai un texture pack, le Faceful, mais si vous l'aimez pas trop, je pense que je changerai par épisode en fait. J'aurai jamais peut-être assez d'épisodes pour changer tous, mais pourquoi pas changer tous les épisodes. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je change de texture pack tous les épisodes ou si vous voulez que je garde le Faceful. Et là je me disais c'est bizarre cette cobble, elle a une drôle de tête PC évidemment, puisqu'en fait c'était de l'andésite. Voilà. Donc j'en étais où Oui, parce que là en fait, pour vous rendre compte, là c'est une vidéo d'une demi-heure, donc elle me demande rien que pour le tournage, une heure. Puisqu'il y a la demi-heure de tournage, donc celle que j'ai tournée, et là la demi-heure de commentaire en différé. Parce qu'évidemment je vais commenter du début à la fin. Donc en plus il est tard, et demain je dois me lever très très tôt. Alors là pour venir dans le dîner, là il est minuit 3, donc ça va encore. Mais demain je vais arriver à 6h30, donc je vais vous dire que. Et d'ailleurs, normalement, peut-être que, bon, vous, ce sera déjà la fin de la journée, mais, enfin, la fin de la journée, vous avez compris, mais, quand vous voyez cette vidéo-là, l'événement, entre guillemets, sera déjà passé, mais là, à l'heure actuelle, il prévoit de la neige pour l'île de France, là, cette nuit, donc peut-être que demain, j'en aurai, donc, ça serait marrant, peut-être que si j'en ai, ça serait vraiment drôle, sans genre que, enfin, je le mettrai sur Twitter, peut-être, je ne sais pas d'ailleurs, si je ne suis pas sur Twitter, je vous invite à le faire. Donc là je récupère ma table de craft, donc j'avais fait des outils juste pour écouter plus vite du bois, de la bouffe éminée, enfin commencer à éminer. Et du coup je me disais, qu'est-ce que je commence à faire? D'ailleurs, logiquement, on aurait peut-être des toutes petites saccades, enfin on va avoir peut-être un tout petit décalage après. Et c'est juste parce qu'en fait, Fraps découpe mes vidéos, puisque c'est une version craquée, et j'ai pas réussi à retrouver la même qu'avant, qui ne découpait pas mes vidéos. Et du coup là, je l'ai découpé en 3. Donc ça veut dire qu'en fait, et quand je le lis avec mon lecteur, donc sur mon ordinateur, il me comment dire, entre les parties, il y a un petit temps de latence de, allez, on va dire, entre une demi-seconde et une seconde, mais il n'empêche que ça peut être gênant. Donc il y aura un petit décalage après, donc je suis vraiment désolé si ça vous gêne. Et je suis vraiment désolé que vous n'ayez pas du tout le bruit du jeu. Vous n'avez pas mes clics de souris, c'est vrai qu'on les entendait pas mal. Mais bon, bref, vous n'avez pas du tout les bruits du jeu, je suis vraiment désolé, vraiment. Excusez-moi, je vous promets que pour le prochain coup, je ne ferai pas l'erreur et vous aurez un commentaire en live et tout se passera bien. Donc, on continue de récolter du bois, jusque-là tout va bien. Et là, le début ne serait pas vraiment passionnant. Et donc, du coup, je vous parlais de ma vie. Bon, si vous voulez, enfin, si vous voulez pas, on n'a pas trop le choix en même temps. Je suis là, donc voilà. J'aimerais même faire des dreadlocks. Alors là, je suis en train d'abord d'économiser pour mon PC. Peut-être que après je me ferai des fausses dreadlocks. Donc si j'en fais, je ferai bien sûr une vidéo IRL pour vous les montrer parce que je serais trop fier d'en avoir. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, je sais, je raconte tout n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Là ça fait à peu près 8 minutes 30. Ouais, c'est ça qu'on va commencer. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème avec Audacity. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc là je commençais à voir un petit peu sur quoi j'étais déjà spawné en fait, et j'ai spawné sur une petite île. Donc là c'est parfait, il y a de la bouffe, donc du coup je me suis dit cool. Du coup on va tuer le premier cochon qui va évidemment se casser la gueule. Là vu comment il est sur le bord, il n'y a pas trop le choix. Et il est même pas mort de chute, donc on va venir aller le chercher et récupérer les deux premières côtelettes. Donc là je suis pas doué, j'ai fait une erreur avec mon clavier. D'ailleurs aujourd'hui normalement, alors je la sors. Ouais, normalement alors je la sors, il y aura déjà sorti. Mais il y a 4 épées de neuf qui va sortir. Ouf, j'ai hâte de regarder. Bref. Et je suis vraiment désolé si vous attendiez aujourd'hui au Seigneur des Anneaux, la vidéo Seigneur des Anneaux. Mais là, ça fait quand même déjà presque plus de 2 mois qu'on est dessus. Et je me suis dit que faire une petite pause, ne serait-ce que 2 semaines, 1 mois, je sais pas, ça ferait peut-être du bien en fait. Histoire de, voilà, et après attaquer la campagne du mal, celle qu'on m'a conseillée, qui est en 8 missions. Peut-être qu'après je referai une pause et qu'après je ferai les 8 missions de la campagne du bien. Tout dépend comment se passe la campagne du mal en fait. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis ça sera cool. Enfin voilà, on va essayer. Alors là c'est un peu chiant, c'est qu'on est un peu en pont, du coup c'est un petit peu galère pour aller chasser les animaux.
pour tuer la mouche. Voilà. On récupère le cuir, la boue, et on remonte. Sans se nouer, évidemment. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire sinon d'autre? Eh bien, je ne sais pas. J'avoue que c'est beaucoup plus dur comme ça. De devoir commenter sans arrêt. Parce que là, je ne me suis même pas préparé de feuille en fait. Parce que bah, je pensais l'avoir. Enfin, j'avais commenté de base, du coup, je m'étais dit bon, c'est bon, il n'y a pas besoin. Et en fait, quand j'ai voulu faire le montage hier, je me suis dit merde. Et bah, en fait, non, dans mon écho, du coup, j'ai fait bon, bah, tant pis. Alors, il était déjà tard, du coup, je me suis dit bon, bah, je retournerai ça demain. Quand on a récupéré la viande avant qu'elle touche le fond. Heureusement, parce que sinon, je me serais noyé. Voilà. Clairement. Il va bientôt avoir le changement, voilà. Genre, avec la deuxième partie. On va y avoir un petit risque d'ailleurs. Hop. 2, 3, 4. Ah oui, il y a quand même 4 secondes de latence. Donc, je suis vraiment désolé si vous avez 4 secondes de retard. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Ouais, mais si j'avance, j'ai peur. Bref, excusez-moi, mais du coup, mon commentaire il sera décalé de 4 secondes en arrière par rapport à ce que vous verrez en fait. En fait, j'y avais pensé, j'aurais peut-être dû ouvrir mon logiciel de montage, les mettre dedans et mettre play et voilà, laisser tourner. Mais bon, voilà, j'ai pas pensé pour le début, donc là c'est trop tard, j'ai déjà commencé. Et je pars commencer mon commentaire, j'ai déjà commenté un tiers, donc voilà. Donc on va commencer à descendre, on va avoir pas mal de chance en soi, parce que là je m'étais dit, bon, ça va être chiant, parce que du coup voilà. Donc là je vais bientôt ouvrir aussi mon. Ah non, pardon, je récoltais assez de pierre pour faire un four, faire cuire de la bouffe, faire cuire du bois pour avoir du charbon, pour faire des torches. Voilà, c'est ça que je vais faire. Du coup, je vais faire une table de craft avec hop, un four. Excusez-moi vraiment pour le temps d'attente, du coup, parce que c'est peut-être que là j'ai déjà fait. Là, je viens de le faire pour moi. Enfin, vous voyez le décalage comme ça. Je vais cuire d'abord ma bouffe en utilisant évidemment mes outils en bois puisqu'ils ne me serviront plus. Après j'ai mis mes pousses d'arbres puisque de toute façon je ne vais pas en avoir vraiment besoin. En soi j'ai quand même 35 planches et encore 30 bûches, donc c'est largement assez. Et au pire si j'ai besoin je remonterai. Là ce qui m'embêtait c'est que vu que j'étais sur une île, j'ai peur que même maintenant en essayant de m'éloigner, quand je remonte ce soit de l'eau, parce que vous voyez tout autour c'est de l'eau. Mais bon bref on verra ça. Évidemment, en temps voulu. Donc voilà, je vais prendre ma première bouffe. Du coup, je vais pouvoir la manger. Ça va restaurer en entier ma barre de bouffe, puisque là, vous voyez qu'il me manque 4 côtelettes. Et c'est exactement ce que redonne une côte de porc. Et oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, vous avez compris. Je suis désolé pour le petit bruit de fond. En fait, quand je dis ça, c'est à toi qu'on enregistre ma voix. Il se focalise tellement sur ma voix, et donc, du coup, même si je parle pas fort, il me remonte le son de ma voix, et du coup, le reste autour, il entend moins en fait. Et là, vu que je parle très fort avec ses Audacity ne fait pas en fait, le tri, il va tout prendre, et moi en fait, ce que j'ai enlevé, c'est juste le genre de tchhhhh qui existe en fait, tout le temps en fait, quand on enregistre. Et donc je vais l'enlever et j'espère que le son de ma voix donc le restera clair en fait. Donc là la nuit commence à tomber, je me suis dit hop on va faire commencer à faire des sticks pour faire des torches. Je me suis dit là ça va penser qu'il n'y a pas trop de mobs, mais en fait vous allez voir qu'il y aura un squelette et on va croiser un chien aussi. Enfin, vraiment j'étais contente de cette première vidéo, c'est pour ça que je voulais pas la retourner, puis ça m'embêtait de vous prendre à l'épisode 1 en mode bonjour, en fait, j'ai déjà commencé, et vous voyez que je suis déjà à ce niveau-là de la partie, puisque j'ai déjà récolté tant de fer, tant d'or, tant de pierres, j'ai déjà exploré ça, j'ai déjà tué tel mob, etc. J'aime pas, en fait, les séries qui commencent comme ça. Là, je peux vous assurer que tout ce que je vais filmer en vidéo, chaque vidéo qui sortira, comment vous dire, je ne jouerai pas entre les vidéos, en fait, puisque déjà que c'est assez rapide, entre guillemets, puisque allez, avoir des potions, franchement, c'est aller dans le désert, et dans le désert c'est faisable en quoi? En une petite heure, voire une heure, c'est faisable. J'ai déjà fait des KDP et des. Alors là j'ai vu le cochon, et après j'ai fait oula, il y a un squelette. Donc j'ai déjà fait un KDP et j'ai déjà fait
Infinite Kingdom, et je peux vous dire que on s'en rend très vite compte. Et là je me suis dit, oh putain, il va faire mourir. En fait non, c'était parce qu'il était poursuivi par un chien. Alors du coup je me suis dit, ouais c'est cool, mais dommage que j'ai pas d'os pour préposer le chien, mais le chien, la nuit, je crois qu'il est vénère en fait, donc contre nous. Et du coup, j'ai fait quelques torches, j'ai récupéré mon four, ma table de craft, et je me suis dit, tiens, je vais aller tuer le squelette pour aider entre guillemets le chien. Et je suis parti assez vite puisque je me suis rendu compte que le chien avait les yeux rouges et du coup j'avais peur qu'il m'attaque. Je sais même pas si j'étais récolté le cochon avant. Oui, j'étais récolté avant. Je me suis dit quand même ce serait bête de laisser de la bouffe. Je vais pas la cuire maintenant, évidemment j'ai déjà assez de bouffe pour l'instant. Bon, vous allez me dire 5 côtelettes et un poulet. C'est pas énorme, mais c'est vraiment déjà mieux que rien. Alors là j'observais pour essayer de voir où c'était. J'ai vu le chien avec son bug d'éclairage, comme ça. Du coup, hop, je fonce. Je vais tuer ce petit squelette. Du coup, il va me donner quoi? Je sais même plus ce qu'il va me donner. Une flèche au bout, je crois. Mais je suis pas sûr si j'avais réussi à récupérer ce loot en fait. Je crois pas que j'ai réussi. Là, je me rapproche du chien, je vais me dire, ouais, je vais me faire un compagnon. Et là, je vois qu'il a les yeux rouges, je fais, oula. En fait, je sais plus s'il est vraiment gentil en fait. Et donc, du coup, je suis reparti. Voilà. Donc là, je suis vraiment désolé, c'est vrai que 4 secondes de décalage, j'aime beaucoup, mais j'ai aucun moyen d'avancer en fait, et d'être sûr d'avancer à la bonne vitesse en fait, et d'avancer et d'être synchro en fait. Donc je suis vraiment désolé s'il y a un gros décalage, mais de toute façon mon commentaire n'est pas précis en fait, c'est à dire que oui il y a des éléments du coup je vais pouvoir me rattacher au truc, mais je vais pas c'est pas comme si j'essayais de faire comme si c'était moi. Donc là je prends de la dirt et je rebouche pour être sûr au cas où qu'il y ait un mob qui vienne m'attraper par derrière, un creeper ou n'importe quoi. Ça m'embêterait un petit peu. Je rebouche, je me dis, oh, il fait sombre, je me détorche. Ça va déjà beaucoup mieux. Et je me dis, bon, il n'y a plus qu'à ouvrir F3, oui, c'est ça, et à commencer à regarder les coordonnées. Tac, allez-y, F3. Je l'ai pas encore mis. On descend la couche, évidemment, la couche du diamant, et après miner en ligne droite, c'est ce qu'il faut faire. Mais donc là, vous voyez, il y a marqué 1.8.1, Optifine, Vanilla, double. Donc là, vous voyez que je suis à une vingtaine d'FPS. Quinzaine, vingtaine, ça varie. Sachant que c'est plutôt fluide. Avec Optifine, donc imaginez même pas 100. 100, c'est injouable. Enfin, c'est infilmable en fait. Et dès que je retire, dès que j'arrête de filmer, bah, je remonte à 40, 50. Et j'ai des pics vers 70, en même temps. Bref. Vous voyez que je monte pas en FPS, mais Fraps mange énormément. J'avais déjà réfléchi à essayer d'utiliser OBS, mais en fait je me suis rendu compte, donc c'est Open Broadcaster Software, pour ceux qui savent pas, mais j'ai pas réussi à le régler encore pour qu'il soit, comment dire, qu'il soit vraiment... pardon, c'est encore de la gorge. Qui marche vraiment bien en fait. À chaque fois que je lance, je fais le test, donc c'est à dire que je sélectionne une zone, je bouge ma souris, je vois que ça marche bien. Et dès que je lance, je clique sur le bouton pour commencer à filmer, ça filme 3 secondes et après l'image freeze et le son reste pendant 4 ou 5 secondes et ça s'arrête. Je sais pas du tout à quoi c'est lié, mais j'y peux rien et je sais pas quoi faire. Je voulais vous dire un autre truc aussi. Ah oui, normalement, j'ai recadré Minecraft, donc du coup je l'ai pas en plein écran. Mais au moins, vous avez pas de bande noire sur les côtés, si j'ai bien fait mon compte. Donc du coup, c'est cool, parce que du coup, c'est peut-être plus agréable pour vous à regarder. Mais moi, ça me gêne pas tant que ça, pour l'instant en tout cas. Donc, comme ça, vous avez l'expérience la meilleure possible. Et donc là, je suis tombé sur une grotte, j'étais plutôt content. Et d'ailleurs, donc, pourquoi le let's play alchimie? Parce qu'on va baser sur l'alchimie. Et l'alchimie, c'est les potions. Ça aurait pu être le... Enfin voilà, c'est juste pour ça. Là, j'ai vu qu'il y avait un zombie, d'ailleurs, qui va venir vers moi très prochainement. Et j'espère que la miniature vous plaît, d'ailleurs. C'est juste le M de Minecraft avec une petite pioche et un petit casque. Puisqu'évidemment, on va passer notre temps à miner et à farmer pour faire les potions. Donc voilà, c'est pas de la construction, c'est pas de trucs comme ça. Donc du coup, je trouvais que c'était... bonne miniature, là je me suis approché trop près, du coup j'ai me suis pris des dégâts, mais vu que je suis pas hardcore, c'est pas grave, je récupère ma vie. Donc vous allez voir que
oula, là j'ai eu très peur sur le coup, je fais oula, je l'ai pas vu. Vous allez voir que, donc là j'ai réussi à l'avoir, vous allez voir normalement, je l'ai et j'ai l'impression qu'il y a deux fils qui drop et en fait il n'y en a qu'un seul. Donc après c'est peut-être moi qui ai mal vu, donc du coup j'étais là, oh putain, saleté d'araignée, elle m'en a looté qu'un seul, j'avais cru en voir deux en fait. Mais je sais pas si c'est un bug ou n'importe quoi. Donc là il y a un nouveau squelette, donc on va pouvoir l'avoir plutôt facilement. Je vais voir qui va plutôt se coincer du coup. Nous, c'est facile. Voilà. La grande sur laquelle on est tombé a une génération très très bizarre. Alors je sais pas si c'est la génération 1-8 qui veut ça. Mais vous allez voir que ça va dans tous les sens. Je savais pas par où aller à chaque fois. C'était vraiment galère avec la forme que ça a. Pourquoi ? Donc là j'étais content, je venais de trouver mon premier fer. J'ai éclairé. J'attendais que le squelette vienne vers moi. Voilà, il vient vers moi. Du coup, je commence à l'attaquer. Je commence à me prendre des dommages, je fais tiens c'est bizarre, et en fait il y avait un deuxième squelette. Donc, du coup je l'attaque, hop, et du coup je tue les deux sans grand souci. Je me dis c'est cool, ici il y a du charbon, il y a du fer, je regarde un petit peu autour, je vois du charbon derrière, encore du fer derrière, encore au plafond, je me dis c'est génial. Du coup je prends juste un petit peu de charbon, un petit peu de fer, puisque vous voyez que ma pioche est presque morte, pour pouvoir faire pour commencer à cuire. Du fer, au moins 3, pour pouvoir me faire la pioche. Donc là, vous voyez que j'en ai pris 3. Je vais les faire cuire directement. Comme ça, je pourrais directement me faire une nouvelle pioche en fer. Et ensuite, je vais explorer un peu autour. Et avec cette pioche en fer, récolter, évidemment, ce qui me manque, comme voilà, le fer qu'il y a dans tous les. Tout ce qu'il y a autour, quoi. J'ai déjà pris 3, 4, 5, 6, 8. Donc c'est un plutôt 9. Allez, 9, je crois, si j'ai bien compris. C'est un plutôt bon filon là, 9, ça veut dire que ça me fait quand même plus d'un plastron. C'est plutôt cool. Donc là j'attendais d'avoir les 3 pour pouvoir faire une pioche. Hop, voilà. J'ai l'achievement hacker hardware. C'était plutôt cool. Et là j'avoue que je vous disais en soi que j'étais vraiment plutôt cool parce que vu que c'est pas un KDP, vu que c'est pas un Fan Kingdom ou autre quoi, y a pas de pression en fait. C'est pas. Oh mon dieu, faut que je me dépêche, parce que peut-être que là il y en a qui sont d'autres qui sont déjà dans des heures, peut-être que là il y en a qui sont de faire la deuxième coupure qui arrive maintenant, en tout cas pour moi, mais vous avez quelques secondes de décalage. Et donc là normalement il doit y avoir comme un peu plus de décalage. Du coup je vais avancer légèrement. Voilà. Voilà, j'ai avancé légèrement, j'espère que ça ira. Mais j'ai peur d'avoir trop gros décalage sinon. Du coup là je peux récolter. Un peu plus de colle histoire de pouvoir faire max torche et de pouvoir cuire évidemment tout ce qu'il me faut, mais bon là j'en aurai largement assez, je crois que j'ai plus d'un stack hein. On va voir ça, je vais vérifier, là j'en ai 25 déjà. Donc, il me semble que j'en ai enfin je vais me faire des flèches et du coup je vais avoir plus d'un stack de flèches, ce qui sera largement suffisant pour continuer jusqu'à la fin de l'aventure. Donc j'ai fait une épée au cas où si je retombais sur des mômes. Et j'ai laissé cuire le reste du fer, histoire d'être sûr que tout aille bien. Donc là, j'ai commencé à faire des torches, mais j'en ai pas assez. Du coup, j'ai refait des sticks. Et refait des torches, et j'avais un stack et 6, je crois. On va voir ça tout de suite. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir voir, du coup, vous, votre décalage par rapport à moi, mais normalement, on ne va pas en avoir un trop grand. Voilà, un stack et 3. Bon, voilà, c'est pas grave. Et du coup, je refais un peu mon inventaire. Vite fait, juste histoire d'avoir pioche, épée. Torche, bouche, vraiment à portée. Logiquement, là j'oublie qu'il faudrait peut-être que je mette des blocs aussi au cas où. Mais bon, bref, du coup, je récolte la fin du col qui est juste à côté, histoire de ne pas laisser du minerai brut comme ça. Je sais pas si je vais tous les à côté, si je crois que je vais tous les à côté. Ceux qui sont là, au moins, histoire de. Voilà, ce serait mieux de les laisser. Non, je vais pas tout faire à côté, je me dis que c'est bon, j'en ai largement assez. Du coup, je vais chercher le fer qui se balade partout. Du coup, je commence à prendre celui qui est au sol. Après, je me dis, tiens, je vais peut-être prendre celui qui est au plafond. Mais en fait, je me suis rendu compte que là-bas, il y avait une cavité. Vous avez dû la voir, qui est noire. Du coup, je vais refaire cuire les 3 que je viens de récolter. Et je vais explorer Donc là, j'ai enlevé le F3, ça va le laisser. La grande cavité, vous voyez que ça se resépare de partout. Je savais pas du tout où aller, du coup je me suis dit bon, on va commencer par en bas, même si ici ça me tombe dessus par en haut du coup. On trouve de l'or, c'est bien. Nos premiers or de la partie, c'est cool, j'étais plutôt content.
chute assez grave. Enfin, c'est grave, j'ai perdu 2 cœurs et demi, mais bon, je m'y attendais pas. J'ai glissé, du coup, je regarde, je me dis, putain, mais c'est cette génération de tarés, vous voyez que ça repart par là-bas, il y a encore 2 heures et tout. J'hésite à y aller, du coup, je me suis dit, bon, attends, faut mieux que je m'installe déjà quelque part. Donc, faut mieux pas trop m'éloigner de là où j'ai commencé à faire cuire mon fer, que je récolte ce qu'il y a dans les environs, et après, je réexplorerai bien à fond cette grotte. Là, j'y suis allé, parce qu'il y avait quand même de l'or, et un peu moins de lave, du coup, je me suis dit, bon, allez, tant que faire, c'est toujours sympa. Donc, je prends une torche, je coupe la source d'eau. Et ce qui est cool, c'est que normalement, logiquement, enfin, ce que je me souviens, avant qu'on trouvait ça, la torche sautait en fait, la RS, donc c'est cool. Et en plus, là, vous voyez qu'elle est retenue. Donc là, il y avait du fer au plafond, donc je me dis, c'est cool, je récolte. Et là, vous allez voir que je vais arriver dans une pièce et il y a un creeper qui va me tomber, mais alors juste dessus. Et là, je peux vous assurer que j'ai flippé. Et là, vous voyez que sur le côté, attends, maintenant vous avez pas vu, il y avait du fer en fait. Et là, hop, le creeper tombe, je fais, oh mince. Je recule, je commence à taper 1, 2, il avait déjà commencé à se charger, et boum, il explose. Et donc là, je reviens, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, j'en mets une torche. Et, excusez-moi si vous avez un peu de bruit, mais là, je vais me rester sur mon fauteuil. Et là, je me dis, mince, il est tombé dans mon. Du coup, je me dis, mince, j'ai pas de bloc dans mon inventaire en fait. Donc c'est là où je me rends compte. Je les pousse pour bloquer, on sait jamais. Et là, je me dis, mince, mais il y avait du fer ici. Ça a l'air que d'être un filon de 1. Mais il n'empêche que je me suis fait niquer un fer. Par un creeper. Merci, creeper. Bref. Et du coup, là, je me dis, est-ce que je continue vraiment à explorer ou pas? J'hésitais beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, non. On va rentrer, on va faire cuire tout le fer. Donc là, j'ai brûlé, mais légèrement. Je sais même pas pourquoi je me suis éteint en soi. Que logiquement j'aurais dû continuer à brûler. Bon, bref, peut-être que j'ai juste brûlé, enfin bref, tant mieux pour moi, hein, vous allez me dire. Donc voilà. En tout cas, prochaine étape, faire un stuff fer, et ensuite, si on a assez de fer, donc là je vais faire un saut, bref. Prochaine étape, faire 2 sauts, pour avoir le saut de lave, le saut d'eau, continuer à récolter des ressources, et le mixeur descend, etc. Et dès que j'aurai un saut d'eau, je vais pouvoir aller dans le nether direct. Donc je sais pas si c'est la meilleure méthode, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais je pense que je vais faire ça. Au prochain épisode en tout cas, j'irai peut-être dans le nether au prochain épisode. D'ailleurs là l'épisode doit s'appeler, je sais pas moi, les débuts, mais c'est tellement classique, non, je vais peut-être l'appeler Stuff Fair, simplement. Ou qui veut gagner du fer en mars. Ouais, peut-être mettre ça. C'est un sketch de Gagmanet pour ceux qui savent pas. C'était une parodie en fait de qui veut gagner des millions. Et il faisait comme si c'était à la sauce québécoise, genre est-ce que c'est votre ultime bafouille? Bref, je suis dans un délire, ça m'est revenu aujourd'hui. Bref. Du coup, je me dis, je vais bouger un peu autour, ça n'empêche pas les araignées de passer ici, c'est ce que je vais me dire en commentaire. Mais bon, bref, ça suffira amplement pour le début, juste pour m'installer et voilà, laisser le fer cuire. Donc là, j'en ai 12, du coup, je me fais un plastron. Hop, il m'en reste 4. J'attends. Je vais pouvoir me faire. Donc là, je me dis peut-être récolter ceci en attendant, du coup, je me fais une petite colonne. Hop. Et je récolte les quelques-uns qui sont au plafond. Et logiquement, avec ça, je vais avoir assez de fer pour me faire un stuff complet. Bon, et là, c'est un filon de 6. C'est pas mal, mais il y a mieux, mais c'est pas mal. 6, c'est quand même 2, 3, 4, 5. Ouais, donc là, c'est la touche Optifine pour zoomer. Je n'ai précisé que moi, je l'utiliserai jamais, mais bref. Parce qu'enfin, je pense pas que ça me servira. Mais bref. Du coup, je mets les 6 autres de fer que j'ai récoltés. Ça en fait 9. Hop, 8. Du coup, je fais le pantalon. Voilà. Et on va arriver bientôt à la fin du commentaire. Je vois en temps d'enregistrement, je suis déjà à 29 minutes 30 bientôt. Donc du coup, je vais attendre d'être full de fer et je vais vous laisser. Je suis vraiment désolé si c'est pas très agréable d'écouter juste ma voix, et en plus qui parle pas très fort. Sans musique, sans bruit du jeu, sans clic, sans. Et pas en live, je suis vraiment désolé, mais en tout cas ça se reproduira pas, je peux vous assurer tous les autres épisodes seront tournés en live et vous aurez évidemment ma voix en direct. Donc
Et là, juste après la vidéo, dès que je l'ai fini, en fait, j'avais fini de tout faire cuire, donc histoire d'eux. Et j'ai organisé mon inventaire. Bon, c'est-à-dire que c'est normal, c'est au début du prochain épisode, de toute façon, je vous le redirai. Mais mon inventaire est organisé, et voilà. Mais je vous promets qu'au début de l'épisode correspondra à la fin de celui-ci, en fait. Bon, quand même, voilà. J'ai 4 fers, j'attends d'avoir assez. 5 pour faire le casque. Hop, on fait le casque. Et voilà, on est full staff fer. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à regarder la description pour toutes questions. Et sinon, si ça ne répond pas, allez voir là. Laissez-moi un commentaire et moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. J'espère que la série vous plaira. Allez!